c'est la 8e fois que le club de Pont-à-Mousson, le RC PAM, organise ce challenge lorrain des écoles de rugby. Pratiquement tous les clubs lorrains étaient là, il en manquait quelques-uns du bassin houillé, mais tous les autres étaient là, de Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle, il y avait quelques Alsaciens, et puis il y avait également challenge international, puisqu'il y avait quelques Luxembourgeois, et donc toujours aussi bien organisé, avec la chance d'avoir le beau temps, et je crois que le club de Pont a un réel talent, qui lui est reconnu par la Ligue et par la Fédération, pour organiser ce genre de manifestation, et puis les jeunes se sont bien débrouillés, ils ont eu de bons résultats aussi, et puis ça permet de jouer contre d'autres équipes qu'on n'a pas l'habitude d'affronter en championnat. Année, un peu tous les clubs ont répondu présent, j'irai pour faire un peu cette finale un peu du championnat de Lorraine, j'irai des écoles de rugby, donc et puis je vois tous les gosses sont hyper contents à mon avis, et puis je pense que l'ambiance est bonne avec tout le monde qui participe un peu au challenge, donc c'est plutôt bien, donc c'est une belle journée, j'irai pour le rugby en général, et puis pour le club de Pont-à-Mousson aussi et la ville de Pont-à-Mousson. Évidemment, la grande région va se mettre en place, mais il est indiscutable que, quant au savoir-faire de Pont-à-Mousson, nous ferons en sorte que le Challenge Lorrain continuera sous cette forme-là, parce qu'on a besoin, de cette identité, et on a vu ces 8 éditions qui ont été une totale réussite, donc le Challenge Lorrain, bien évidemment, malgré la grande région, continuera à vivre, même si on le fait évoluer un peu, mais le Challenge Lorrain continuera pour les années à venir. Je crois qu'on a eu encore une fois une belle journée pour ce Challenge Lorrain, c'est le 8e, je crois, si je ne me trompe pas. Chaque année, Pont-à-Mousson, dans l'organisation et la façon de faire, s'améliore toujours. Et je crois qu'il y avait plus de 900 jeunes aujourd'hui. Tous les clubs, sauf un, étaient représentés. Je crois que c'est une belle réussite.